Salut à tous, c'est Pokéchou et... aujourd'hui je vous fais une petite annonce par rapport à la CPF. Petite vidéo plutôt courte, hein, juste pour vous dire que, eh bien, je sais pas si vous étiez au courant, je sais pas si vous en avez parlé, mais le règlement stipule que aux semaines 4 et aux semaines 8, on a le droit d'échanger certains Pokémon de notre équipe de 11 Pokémon contre d'autres. Donc on a le droit d'échanger contre des Pokémon d'autres joueurs, et on a le droit d'échanger contre des Pokémon qui n'ont pas été pris. Et ça a été mon cas. Je vais vous donner un petit nom, un surnom, Maitland. Vous connaissez peut-être ce surnom ou peut-être pas. Si vous avez une très bonne mémoire, vous vous en souvenez. En tout cas, il s'agit de mon Spectrum que vous n'avez jamais vu dans la compétition, tout simplement parce que je n'ai jamais trouvé d'occasion de le jouer. Et aussi parce que je le trouve vraiment pas assez versatile, vraiment pas assez intéressant en fait par rapport à ce que j'avais pensé qu'il était capable de faire. Donc ce Spectrum, je ne le joue pas et j'ai décidé de le remplacer par un Pokémon qui va venir combler l'une de mes grosses faiblesses de ma team, qui est le type fée. Et aujourd'hui, les Spinda de Lyon sont ravis d'accueillir Cuddlepaws, le Grumble, voilà, qui va prendre la place donc de Maitland pour la suite de cette CPF au sein des Spinda de Lyon. Donc bienvenue à Cuddlepaws, qui sera notre 11e joueur et qui, je pense, saura eh bien, faire des étincelles, parce qu'il a, quand même une de ses, mâchoires capables de vraiment... une mâchoire très intimidante. Voilà. Bon bref, j'en profite également pour vous rappeler que les Spinda de Lyon ont une boutique de t-shirts. Avant c'était la boutique de la chaîne Elchou, mais suite à des problèmes de droits d'auteur, puisque apparemment je n'ai pas le droit de représenter Pikachu sur des t-shirts, eh bien c'est juste maintenant la boutique des Spinda de Lyon. Donc je vous rappelle qu'on vous vend des t-shirts, des Spinda, n'hésitez pas à en acheter pour montrer votre soutien à la chaîne, et n'hésitez pas aussi à me proposer des motifs qu'on pourrait réaliser avec Lémi, par exemple s'il y a, on a pensé à un motif pour Isaac Mewtwo, donc éventuellement... ça pourrait être stylé, je vous en parlerai peut-être plus tard, si un jour ce motif voit le jour. Bref, voilà, donc sur ce les enfants, bah écoutez, n'hésitez pas à rien du tout, parce que cette vidéo en fait n'a pas grand chose. Elle va faire quoi? Elle va faire 2 minutes, mais n'hésitez pas à laisser un petit j'aime quand même, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la boutique de Spreadshirt des Spinats de Lyon, même si les tarifs sont quand même pas super légers, mais voilà. Allez, et puis sur ce les enfants, c'était Pokéchou, le fier coach des Spinats de Lyon, qui va pouvoir aller jouer avec son nouveau Pokémon. Ciao.